Bonjour, 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 que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit élevée ce matin, que l'Esprit de Dieu soit avec chacun de vous, que le Seigneur vous illumine de sa grâce, que le Seigneur vous illumine de sa bénédiction. Nous allons commencer cette semaine ensemble par un moment de prière. Nous invitons d'abord le Saint-Esprit, nous invitons l'Esprit de Dieu à prendre toute la place. Nous invitons le Saint-Esprit à rester dans toute sa dimension de gloire dans notre vie. Sans la présence de l'Esprit, sans la force de l'Esprit, sans le pouvoir de l'Esprit, nous sommes chanel. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir dans notre vie et nous amener à être meilleurs devant Dieu. C'est pourquoi ce matin, avant de toucher un passage biblique, je vais vous demander, quel que soit le lieu où vous êtes, de disposer votre cœur et de dire simplement: Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Illumine ma vie. Saint-Esprit, me voici. Illumine ma vie. Saint-Esprit, me voici. Présente-toi à l'Esprit de Dieu. Dis-lui que tu es là. Et que tu n'as aucune force, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune puissance à part lui. Dis au Saint-Esprit de pénétrer au plus profond de ton âme, au plus profond de ton esprit. Dis au Saint-Esprit de faire de toi une personne que tu ne pourras jamais être, sauf par son pouvoir et par sa force. Dis au Saint-Esprit de prendre toute la place. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Si tu es baptisé, Saint-Esprit, prie en langue. Sinon, dis les mots comme tu le sens, comme tu le peux chez toi, parle à Dieu. La prière est la chose la plus merveilleuse que le Seigneur nous a laissée. C'est le moyen par lequel nous pouvons nous adresser à Dieu et recevoir aussi des bonnes choses. C'est pourquoi dispose ton cœur. Même si tu as déjà prié ce matin, même si tu as déjà prié cette nuit, même si tu es pressé, que tu sois en voiture, que tu sois au travail, que tu sois là où tu es, même si tu es encore dans le lit, fais juste un effort de te lever et de dire: Seigneur, me voici, Saint-Esprit, me voici. Cette semaine qui commence doit être une semaine de grâce pour toi, doit être une semaine de bénédiction. Cette semaine doit être une semaine remplie de miracles et d'exaucements pour toi. Tu vas inviter les anges de l'Éternel. Tu vas dire au Saint-Esprit d'ouvrir la porte aux anges. Tu vas dire au Saint-Esprit d'ouvrir la porte aux anges. Dis: Saint-Esprit, je suis disposé. Je suis disposé. Dis: je suis disposé, Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà dit bonjour au Saint-Esprit? Sais-tu qu'il est vivant? Sais-tu qu'il est vivant? Il est sensible. Il aime qu'on lui parle. Il aime qu'on lui adresse des paroles. Écoute, la Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. La Bible dit, c'est le consolateur. Or, nous savons que le consolateur, c'est le meilleur ami. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose, né carabraco son tolobobo. Tu vas sentir tes fardeaux se dissiper. Tu vas sentir cette lourdeur s'en aller. Tu vas sentir cette culpabilité s'échapper de ta vie. Tu vas sentir ce poids que tu as porté la semaine dernière s'en aller. Cette semaine-là, tu vas commencer quelque chose de nouveau. Tu vas commencer quelque chose de nouveau avec la présence du Seigneur. Le Seigneur va te devancer dans tout ce que tu fais. Malabrakoshekelo. Dis: Saint-Esprit, je suis disposé. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Dis: Saint-Esprit, je suis disposé. Dis: Saint-Esprit, je suis disposé. Marabrakoshekelo. Tu n'as pas besoin de te soucier de ce qui a été fait contre toi. Qu'est-ce que les sorciers ont fait?
Qu'est-ce que les mystiques ont fait? Qu'est-ce que les marabouts ont fait? Qu'est-ce que les charlatans ont fait? Tu n'as pas besoin de te soucier du nombre d'ennemis, du nombre d'adversaires. Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être qu'on t'a déjà prévenu pour une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle qui t'attend au travail. Peut-être que dans la famille, il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a une situation qui se passe. Mais c'est le moment d'oublier ça et de dire, Saint-Esprit, je suis disposé. Esprit de Dieu, je suis disposé. Dis, Saint-Esprit, voici mes fardeaux. Dis, Saint-Esprit, voici mes fardeaux. Du Saint-Esprit, voici ma vie. Oh my God, Sarah Barakoshi. Dis, Saint-Esprit, me voici. Dis, Saint-Esprit, me voici, me voici, me voici. Dis, Esprit de Dieu, je suis présent. Maintenant, bien-aimé, tu vas inviter le sang de Jésus. Tu dis, Seigneur, purifie-moi par ton sang. Dis, Seigneur, lave mon âme, lave mon esprit. Dis, Seigneur, lave-moi de toute iniquité. Dis, Seigneur, lave-moi de tout péché. Dis, Seigneur, sanctifie mes pensées, sanctifie mes paroles. Sanctifie mes yeux, sanctifie mon cœur. Alléluia. Marobro, koshi, katarabashi. Oh, alléluia. Komarabarabashi. Dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, je suis disposé. Je suis disposé. Dis, Esprit de Dieu. Marabro, koshé, ketelekosi, katala. Oh, alléluia. Est-ce que tu sens sa présence? Est-ce que tu sens ce petit vent impétueux, ce petit vent? Est-ce que tu sens ce petit vent qui souffle dans ton cœur? Est-ce que tu sens ce petit vent qui souffle dans ton dos, sur ton front, sur ta nuque? Est-ce que tu sens cette présence? Est-ce que tu sens cette chaleur? Est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Il est présent, l'Esprit de Dieu est présent. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi le Saint-Esprit. C'est lui qui t'a choisi. Ne t'inquiète plus, ne t'inquiète plus. Marabro koshé ketolo koshé. Alléluia. Rabasho ketolo boshi. Indolo boshi karabra ketolo boshi ki. Je vais annoncer à une femme ce matin que le Seigneur est avec toi. Je vais annoncer à un homme ce matin, le Seigneur est avec toi. On entend le bruit de ce vent impétueux contre toi. On entend le bruit de ce tremblement de terre contre ta famille. Mais tu ne seras pas atteint. Maso koroboshi katalabashi. I koroboko senterebokoshi. Il étendra encore sa main pour te relever. Il étendra encore sa main pour te restaurer. Zo karabra koshé ketelege. Oh, sanelebe koshi. La main du Seigneur est tendue pour toi. La main du Seigneur est tendue pour toi. La main du Seigneur est tendue pour toi. Dis, Saint-Esprit, je suis là. Dis, Saint-Esprit, je suis là. Dis, Saint-Esprit, je suis là. Je suis là, je suis là. Esprit de Dieu, marobro koshi kibidikosi. Mosa katalabashe ketoloboshi. Maborabra kotolo. Profite de ce moment pour parler à Dieu. Si tu es chez toi, c'est encore une bonne grâce de prier Dieu. Si tu es en voiture, si tu es au travail, prie en esprit. Quel que soit le lieu où tu es, que ton esprit soit en accord avec Dieu en ce moment. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ton esprit parle à Dieu. Que tes pensées parlent à Dieu. Quelque chose de nouveau doit se passer dans ta vie. Oh, c'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire.
C'est l'heure de la victoire. Malo brokoshi katalabasho kotolokoshi. Oh, hallelujah. Rabashi ketolokoboshi. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Malo brokoshi katalabashi ketelege. Ikarabo se karabro kosinta la baba se ketoloboshi. Lo karabra koshe ketelegesi. Alléluia. Mabo se ketelegesi ketelege. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jéhovah Nissi. Adonai, béni soit le nom du Saint des Saints. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Béni soit le nom de l'Alpha. Béni soit le nom de l'Oméga. Béni soit le nom de celui qui est au-dessus de toutes choses. Béni soit le nom de celui qui nous remplit de grâce. Béni soit le nom de celui qui nous remplit de bénédiction. Béni soit le nom de celui qui a le pouvoir de tout accomplir. Son nom est saint, son nom est grandiose, son nom est saint. L'alpha et l'oméga, béni soit le nom de celui qui règne. Bien-aimé, ce matin, je vais partager quelque chose avec toi. Juste t'exhorter pour cette semaine. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7, il est écrit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimé, voici le passage que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pour toi, pour moi, pour cette semaine. Le début de ce verset, de ce passage, verset 7 dit, en priant. Lorsqu'on nous dit déjà en priant, ça veut dire que on parle à quelqu'un qui prie. On ne parle pas à quelqu'un qui ne prie pas. On parle à quelqu'un, on est en train de s'adresser à quelqu'un qui prie. Déjà, ce n'est pas l'étape de la personne qui ne prie pas. Une personne qui ne prie pas, on va lui dire, commence à prier. Une personne qui ne prie pas, on va lui dire, il est bien que tu pries. Une personne qui ne prie pas, on va lui dire, commence à te mettre en prière. Mais ici, le Seigneur dit, en priant. C'est-à-dire que tu es déjà en train de prier. Bien-aimé, tu es déjà en train de prier. Je sais que tu pries. Je sais que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi.
Je sais que ton âme prie, ton esprit prie, tes pensées prient. Tu veux une évolution dans ta vie. Tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu veux quelque chose de grand dans ta vie. Je sais que tu pries. Et le Seigneur dit, en priant, pendant que tu es en train de prier, lorsque tu pries, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Multiplier les vaines paroles, c'est quoi? Multiplier les vaines paroles, c'est dire des choses qui ne viennent même pas de notre cœur. Multiplier les vaines paroles, c'est dire des choses auxquelles nous n'avons même pas foi. Multiplier les vaines paroles, c'est répéter les choses parce que tout le monde répète. Multiplier les vaines paroles, c'est dire des choses parce que j'ai entendu quelqu'un dire de l'autre côté. Il dit, quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Passe pas ton temps à vouloir répéter les choses que l'autre avait dit, lui il a dit ça, l'autre. Il faut que pendant que tu pries, tu dises l'essentiel qui vient de ton cœur. Je précise, ton cœur. Que tes prières sortent déjà de ton cœur. Que tes prières soient un soupir qui, comme une respiration qui sort de toi. Et il dit, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens. Ah, donc les païens multiplient de vaines paroles. Quand on dit vaines paroles, ça veut dire que c'est des paroles qui n'ont pas de sens. C'est des paroles qui ne viennent pas de leur cœur. C'est des paroles auxquelles ils n'ont même pas foi. Ils les disent comme ça parce qu'il faut le dire. Ils le répètent. Combien de personnes répètent et récitent des prières? Ils récitent parce que c'est dans un livre. Ils récitent parce qu'on les a appris. Ils récitent parce qu'ils ont entendu dans un lieu. Il dit, quand tu pries, ça ne sert à rien de multiplier de vaines paroles comme les païens le font. Et les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu dit, ce n'est pas parce que tu vas multiplier de vaines paroles, plusieurs paroles que tu seras exaucé. Je prends un exemple. Vous êtes dans une assemblée, on dit, est-ce que quelqu'un peut prier? Il y a des gens qui vont croire que c'est une concurrence pour savoir qui est allé à l'école, qui comprend le français, qui ne comprend pas le français. Il y a d'autres qui vont faire du slam dans la prière. D'autres vont rapper dans la prière. Il y a d'autres même, ils vont commencer à chocobi dans la prière. D'autres vont commencer à sortir des mots que personne ne comprend dans l'église, dans la prière. D'autres vont commencer à parler d'une manière qu'on sache qu'il est un responsable ou une responsable. Et ce sont les païens qui s'imaginent qu'en faisant cela, Dieu les écoute. Et dit, quand tu pries, tu n'as pas besoin de multiplier ces gens de paroles. Soit peut-être bref, ou même si tu n'es pas bref, que tu as beaucoup de choses à dire à Dieu, que ça vienne juste de ton cœur d'une manière simple et limpide. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. C'est ça qui m'intéresse ce matin. Je vais m'arrêter là avec ce verset qui dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Je vais dire à une personne ce matin, ce début de semaine, Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît tes fardeaux, Dieu sait de quoi tu as besoin. Je suis convaincu qu'il ne te laissera pas tomber. Je suis convaincu que le Seigneur agira en ta faveur. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est pourquoi Jésus enseigne la prière en disant, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça, c'est l'adoration. Puisque Dieu sait de quoi tu as besoin, prends du temps pour l'adorer. Prends du temps pour lui dire qu'il est bon. Prends du temps pour lui dire qu'il est merveilleux. Je répète une fois encore,
C'est dans l'adoration que Dieu siège. C'est dans l'adoration que Dieu siège. Il sait de quoi tu as besoin. Ce n'est pas quand tu vas multiplier, tu vas te lamenter, tu vas taper partout. Tu sais, tu es comme un bébé devant Dieu. L'enfant, le bébé qui ne parle pas, il n'a jamais dit à sa mère, « J'ai faim, j'ai soif, viens me changer, va me coucher, va me laver. » C'est un bébé. C'est la mère qui pense, c'est le père qui pense. Ce sont les parents qui se préoccupent de l'avenir de leur enfant. Et nous sommes les enfants de Dieu. Il nous connaît. Il sait de quoi on a besoin. L'argent pour lequel tu pleures, il sait que tu as besoin. Ton projet, il le connaît, il sait. La guérison, il sait. Il sait de quoi tu as besoin. Souvent, quand nous multiplions les paroles, c'est une manière d'exprimer le doute en nous. Quand tu parles beaucoup devant Dieu, tu multiplies les mêmes, tu multiplies. Deux fois, c'est comme si tu ne crois pas que Dieu va agir. Tu crois que c'est parce que tu as parlé beaucoup que Dieu a fait quelque chose. Or, Dieu n'a même pas besoin de tes paroles. Ce n'est pas un homme pour convaincre avec des paroles. Dieu est esprit. Il te voit, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il connaît ton début, il connaît ta fin. Le film de ta vie, c'est-à-dire que le parcours de ta vie est déjà tracé, c'est entre ses mains. La Bible dit que nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés. Il a dit à Jérémie, « Je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. » Avant que ton père ne décide, avant que ta mère ne décide d'avoir un enfant, je te connaissais. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui a permis à Jérémie d'être Jérémie. Malo brokoshi. Bien-aimé, ton père sait de quoi tu as besoin. L'enfant, ses parents savent de quoi il a besoin. Tu vas voir les parents même les plus pauvres de la terre. Ils vont se soucier pour leur enfant. Quelle que soit leur pauvreté, ils vont tout faire pour que leur enfant puisse manger. L'enfant ne sait même pas qu'il est né dans une famille pauvre. L'enfant, il est bébé. Tout ce qu'il sait, il a faim, il a à manger. Il a soif, il boit. Peut-être que ses vêtements ne sont pas plus beaux que pour les autres, mais il est habillé. Ce sont les parents qui se sont préoccupés, qui luttent. C'est un papa qui se lève le matin pour dire « je vais travailler ». C'est une maman qui dit « je vais lutter pour ma famille ». Notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Ton Dieu sait de quoi tu as besoin. Le sujet qui te tient à cœur, le fardeau qui te tient à cœur, Dieu le connaît. Il a vu, il le sait. Il a la solution. Vous voulez compter sur les hommes? Je ne sais pas si c'est une bonne chose. L'homme pense à lui-même d'abord, avant de penser à son prochain. Vous voulez compter sur les hommes? L'homme pense à lui-même. L'homme pense à sa vie, mon ventre, ma voiture, ma maison, mes enfants, mon avenir,
mes économies, mes projets, ma santé, l'homme passe d'abord à lui. Quand l'homme a fini de penser à lui, l'homme va aussi penser peut-être à toi. Après avoir pensé à lui-même, il faut qu'il pense à la famille. Après avoir pensé à lui-même, il faut qu'il pense à sa famille, à son entourage et tout. Et tu vas venir après. Vous voulez vous confier à l'homme? Tu vas avoir confiance en l'homme? L'homme peut te dire oui, je vais t'aider demain. Mais dans la nuit, l'homme peut changer d'avis. Le matin très tôt, l'homme peut changer d'avis. L'homme peut te dire, j'ai eu une mauvaise nouvelle. L'homme peut te dire, je voulais t'aider, mais je ne peux plus. Vous voulez compter sur l'homme? L'homme peut vous aimer aujourd'hui et vous détester demain. L'homme peut tout vous donner aujourd'hui et tout vous arracher demain. Vous voulez compter sur l'homme? Quand je dis l'homme, je parle de la femme, je parle de l'homme, je parle de l'humain lui-même, l'humanité. Tu veux compter sur ton prochain? Tu veux compter sur quelqu'un, même si tu as fait une promesse? Même s'il est riche, même s'il est grand, compte sur Dieu. C'est Dieu qui te connaît. Et c'est lui qui peut aller chercher ce qu'il faut pour toi, là où il faut, dans l'endroit où il faut. C'est Dieu qui peut toucher la personne qu'il faut. Parce que lorsque Dieu a touché la personne qu'il faut, la personne ne peut pas dire non parce que c'est Dieu qui l'a touché. Lorsque c'est Dieu qui envoie quelqu'un vers toi, la personne fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il y a des gens que Dieu va envoyer dans ta vie pour un jour. Il y a des gens que Dieu va envoyer dans ta vie pour quelques jours, pour une semaine. Il y a des gens que Dieu va envoyer dans ta vie pour un mois. Il y a des gens que Dieu va envoyer dans ta vie pour quelques mois. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie pour un an. Il y en a qui vont venir dans ta vie pour quelques années. Et puis, il y en a qui vont venir dans ta vie pour toujours. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Il y a des gens qui vont te dire, je t'appelle demain. Mais ils oublient qu'ils devraient t'appeler. Ils t'ont oublié, ils ne t'appelleront jamais. Même quand tu essaies de les appeler, ils vont couper leur téléphone. Tu envoies un message, ils ne vont pas répondre. Mais le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Dieu dit que son téléphone est toujours disposé pour toi. Quel que soit le lieu où tu es, tu peux être dans un trou, tu peux être dans une situation quelconque, quel que soit là où tu es couché, tu es assis, tu es debout, tu es en voiture, tu es en avion, tu es dans la brousse, tu es dans la ville, tu es dans le noir, dans la lumière, dans un trou, quel que soit là où tu es, Dieu dit, invoque-moi. Dis-moi d'intervenir. Invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, Dieu peut mettre des hommes sur notre chemin pour nous aider. Mais nous ne pouvons pas compter sur l'homme. Parce que nous sommes humains. Et la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. La Bible ne dit pas ça parce que tu es maudit. La Bible dit ça parce que c'est obligatoire, tu vas avoir des problèmes. Il dit malheur, tu t'es confié à l'homme, malheur. Ça veut dire que tu vas pleurer après. Tu t'es confié à l'homme, tu vas regretter après. Tu t'es confié à l'homme, confie-toi à Dieu pour que Dieu te donne les hommes qu'il faut. Confie-toi à Dieu pour que Dieu te donne la femme qu'il faut. Maro, bro. Alors ce verset ce matin dit, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Que cette journée soit une journée de grâce
de bénédiction et d'allégresse pour toi. Que toute cette semaine, ton chemin soit rempli de grâce et de bénédiction. Entends de bonnes nouvelles toute cette semaine. Que les portes de la prospérité, de l'élévation te soient ouvertes. Que Dieu fasse revivre ce qui est mort, étouffé en toi. Ne vous inquiétez pas pour multiplier de vaines paroles. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors passez le temps dans l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, et que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Que le Seigneur vous ouvre encore les yeux, les oreilles, qu'il vous oriente vers le bon et le droit chemin. Si vous aviez dévié, que vous n'êtes pas dans le chemin de votre destinée, que Dieu vous remette sur ce chemin et qu'il vous donne le courage de parcourir ce chemin. Que le Seigneur amène les bonnes personnes vers vous, qu'on vous appelle, qu'on frappe à votre porte, que l'Esprit de Dieu oblige la personne qui peut t'aider à venir vers toi, que l'Esprit de Dieu oblige la personne qui peut te soutenir à venir vers toi, que l'Esprit de Dieu oblige la personne qui peut te faire avancer de venir vers toi, et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom, shalom, shalom. Passez une très bonne semaine. Merci.